Regarde attentivement la séquence qui suit et je te laisse à ta propre interprétation des choses. Des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent pour permettre à notre prof que parfois on a tendance dans le débat public à le perdre de vue. On peut pas le perdre de vue. Sans nos paysans, sans nos agriculteurs, c'est plus la France. Alors, Sacha Pokémon, là, le mec avec la casquette jaune, là, c'est en fait le soi-disant meneur des agriculteurs. Bon, c'est clairement un vendu du gouvernement. C'est-à-dire que je suis en train même de me demander si tout ça n'était pas monté de toutes pièces pour donner en fait une sorte de légitimité à Gabriel Attal. En mode, ouais, vas-y, on va faire genre on bloque, tu viens, tu nous fais des petites annonces et on dit, ouais, on est potes et tout. Je pense qu'il n'y a plus rien qui me surprendrait de façon en politique. Mais le mec là, s'il a fait ça, il a aucune fierté en fait, parce qu'il se fait passer pour un héros. Et là, on voit, il est très pote avec Monsieur le ministre. Ça sent quand même le pâté tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais moi, ça sent pas le truc très clair.